Bonjour et bienvenue au Québec connecté. C'est notre rendez-vous hebdomadaire où l'on vous donne l'occasion de faire un tour de nos régions avec des reportages réalisés un peu partout au Québec et qui nous démontrent bien les réalités de chacune d'entre elles. Cette semaine, à l'émission. Des remboursements d'Air Liaison qui se font attendre. Le programme Amuseau de l'organisme La Sphère. L'organisme Partance à Drummondville. Bref historique du CF18. Et une maison des jeunes à Shawinigan-Sud. Des milliers de voyageurs se tournent vers l'Office des transports du Canada pour déposer des plaintes relatives aux mauvais services offerts par des compagnies aériennes, comme on l'a vu durant la période des fêtes. Deux détentrices de billets de la compagnie Air Liaison, le seul transporteur commercial à desservir la région de Baie-Comeau, attendent depuis plus d'un mois le remboursement de centaines de dollars de frais de taxi ou de chambres d'hôtel engendrés par le retard ou l'annulation de leur vol. Le reportage de Olivier Roy-Martin. Le 5 décembre, à l'aéroport de Baie-Comeau, deux détentrices de billets d'avion en direction de Québec et de Montréal ont dépensé des centaines de dollars en raison d'annulation ou de retard de vol d'Air Liaison. Plus d'un mois plus tard, elles sont sans nouvelles de la compagnie qui ne les a toujours pas remboursées. J'ai eu un autre appel à 14 heures pour me dire que mon vol de 17h10 était devancé à 15h30. Donc, il fallait que je reprenne le taxi à 14h30 pour être à l'heure pour le vol. En arrivant, on a appris que l'avion serait en retard. Et peu de temps après, moi, j'ai appris qu'il n'y avait pas de place pour moi à bord de cet avion-là. L'adjoint qui représentait Air Liaison à cet endroit-là nous a avisé tout le monde que l'avion qui devait être au départ de 19 places était en fait un avion de 9 places. Donc, il n'y allait pas avoir d'espace pour tous les passagers. Puis, environ 2 heures plus tard, on a appris que l'avion, finalement... se rendait seulement à Québec. Donc, on a attendu tout ce temps-là pour finalement savoir que c'était pas Montréal du tout, que l'avion n'allait pas se rendre à Montréal. Après 7 heures d'attente à l'aéroport, Gabrielle Bélanger a pu se rendre à Québec en avion et non à Montréal, comme prévu. Elle a payé l'hôtel et l'autobus de Québec à Montréal le lendemain. L'autre passagère, Caroline Godin, ne pouvait pas attendre aussi longtemps. Moi, j'avais des engagements au niveau du travail le lendemain matin, donc je ne pouvais pas me permettre de reprendre l'avion le lendemain à 13h30. Puis là, j'ai réalisé que de toute façon, de prendre le taxi qui m'avait déjà coûté 140 $ aller-retour pour aller travailler, j'engageais un 140 $ pour ça, j'engageais un souper, un déjeuner, un dîner et les frais d'hôtel qui dépassaient le coût du taxi. Donc, j'ai offert aux deux autres personnes de prendre un taxi, de défrayer le coût à trois, qui était beaucoup moins dispendieux, comme je vous explique, que de passer la nuit là, à Baie-Comeau. Chargée de projet pour une entreprise sous-traitante de l'aluminerie de Baie-Comeau, Caroline a partagé une facture de taxi de 900 $ avec deux autres passagers pour le trajet de Baie-Comeau à Québec. Elle et Gabrielle attendent toujours un remboursement de leurs dépenses. En plus d'avoir payé un billet d'avion qui n'a pas servi grand-chose, j'ai encouru des dépenses de taxi. J'ai été contactée le soir même, là, vers autour de 9 heures, pour me dire « OK, on va vous rembourser, on va trouver un vol qui va pouvoir vous emmener à Montréal », qui était la destination initiale indiquée sur le billet. Mais personne n'a eu droit à un retour ou une raison, une explication. On a vraiment été un peu laissés à nous-mêmes, puis on nous a dit d'aller... d'écrire, de chercher sur le site ou de transport pour pouvoir faire une demande d'indemnisation. Il n'y a pas de sérieux nécessairement envers les clients, là, les gens qui utilisent le service. La réglementation canadienne stipule qu'une compagnie aérienne a 30 jours pour rembourser les passagers, un délai dépassé dans le cas de Caroline Godin et de Gabrielle Bélanger. Mais ces règles comportent des failles. Ça va dépendre toujours de la situation. Donc, la prise en charge qui est demandée au niveau du transporteur va dépendre si c'est une situation qui est attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité ou non attribuable au transporteur. Et là, il faut faire attention parce que souvent, ces familles-là ont le dos large. Donc, on va évoquer des fois toutes sortes de raisons pour ne pas avoir à rembourser ou ne pas payer l'indemnité. Donc, il ne faut pas avoir peur de contester ces décisions-là, soit avec une firme spécialisée ou à l'Office des transports, par exemple, qui, eux, vont pouvoir aller faire une validation des faits et s'assurer qu'on a obtenu les bonnes réponses et que la ligne aérienne suit la réglementation en place.
L'Office des transports du Canada a reçu 5 plaintes concernant Air Liaison en 2022 et 3 l'année précédente. C'est une infime partie des quelque 33 000 plaintes que ce tribunal administratif doit gérer au pays, avec les délais que ça comporte. En fait, ce qui est encore plus triste, c'est que c'est seulement un faible pourcentage des gens qui vont se rendre devant l'Office ou qui vont faire une demande officielle à l'Office. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est des milliers de personnes qui ont juste abandonné la procédure. 33 000, ça semble élevé. Par contre, c'est un symptôme. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une problématique au niveau de nos transporteurs. L'histoire de Gabriel Bélanger et de Caroline Godin avec Air Liaison se reproduit-elle souvent? Impossible de le dire puisque la compagnie n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Propriétaire de l'aéroport, la MRC de Manicouagan ne compile pas non plus les retards ou annulations de vols de son seul transporteur aérien commercial. À Rimouski, un programme est maintenant disponible pour préparer à l'emploi les 16 à 35 ans. Ce programme, appelé AMUSO, est offert par l'organisme La Sphère et s'adresse aux personnes qui ne sont ni à l'emploi ni aux études. Il vise à développer des compétences et aptitudes, en plus d'aider les participants à gagner un peu de confiance en eux. Le reportage de Marie-Josée Lavoie. Pour explorer les métiers et formations disponibles pour développer tes compétences et tes aptitudes dans l'emploi, rien de tel que le programme AMUSO à la Sphère. Pour en savoir plus, un petit rendez-vous s'impose. Le projet préparatoire à l'emploi AMUSO, en fait, c'est un projet, comme le nomme le nom, là, pour préparer à l'emploi, donc acquérir les aptitudes, les compétences reliées à l'emploi. C'est aussi un projet qui permet de faire la connaissance de soi, de gagner de la confiance en soi, de vivre des réussites et non juste des mauvaises expériences en emploi parce qu'on n'est pas préparé, qu'on ne sait pas trop comment s'y faire. Donc ça s'adresse aux personnes de 16 à 35 ans qui sont ni à l'emploi ni aux études. Ils peuvent avoir par le passé fréquenté des milieux de travail ou ne jamais avoir eu d'emploi. Là, ça, c'est vraiment c'est varié. Ça ressemble à quoi le processus là, lorsqu'on arrive ici? Oui. Bien, en fait, là, la personne va rencontrer là, tout d'abord là, une conseillère en emploi. Fait que ça, c'est vraiment la première porte d'entrée. Elle se présente à la sphère ou fait une demande de rencontre là, via notre site Internet ou en envoyant un courriel. Et puis là, la conseillère en emploi, elle, en faisant l'évaluation des besoins, en présentant les services, là, va cibler là, le projet préparatoire à l'emploi que nous, on appelle le PPE. Et puis, va me le référer. Suite à ça, moi, je rencontre la personne, je continue l'évaluation des besoins. Je m'assure, en fait, que la personne répond à tous les critères, mais aussi que notre service est un service vraiment là, qui est adapté à ses besoins et à elle. Et ensuite, ben là, la demande est acheminée à Service Québec. Et on recrute la personne et puis le parcours commence et une durée de 20 semaines maximum. C'est un parcours sous forme de stage ou c'est rémunéré? À quoi ça ressemble? Ouais. En fait, oui, c'est rémunéré. C'est rémunéré à la semaine. Si je ne me trompe pas, c'est rendu aux alentours de 370 $ par semaine. Par contre, ce n'est pas 370 $ qu'on soit pour rien. Là, vraiment, les gens se mettent en action. C'est d'une moyenne de 20 heures semaine. Puis dans le fond, là, c'est vraiment varié ce qu'on va faire comme activité. Là, ça va être, comme on le dit, vraiment d'acquérir les aptitudes, les capacités en emploi. Fait que comment faire un CV, comment se préparer à l'entrevue, se pratiquer à faire des entrevues. La démarche exploratoire AMUSO de la Sphère est un tremplin vers l'intégration et le maintien en emploi. Les activités sont menées en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le Comité logement de Rimouski, le Centre de services animaliers, l'Association coopérative d'économie familiale Rimouski-Neigette et Métis, l'ACEF, Synesthet, création de murales, Pas à Pat et aussi Santé mentale Québec. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on va vous faire quand même une petite introduction au niveau de la santé mentale en général. Hein. C'est quoi ça fait dans la vie? Une personne qui a un vécu en santé mentale elle-même, qui prend son passé, qui prend ses expériences de vie dans le fond hein, pour retransmettre à la société, à ceux qui pourraient en avoir besoin. C'est normal, je pense, à 16 ans, bien, même à 35 ans, de ne pas savoir exactement ce qu'on veut faire de notre vie. Même juste d'identifier qu'est-ce qu'on aime vraiment puis où on se voit. Fait que là, d'apprendre à se connaître, OK, moi, j'ai vraiment des forces de ce côté-là. OK,
à ce niveau-là, c'est plus difficile, bien là, ça va permettre là, de te renforcer, de gagner la confiance en toi. Puis là, bien, c'est ça, d'identifier là, quel domaine de travail là, est-ce qui pourrait plus t'allumer. Comment on s'assure là, que tout se passe bien, que les gens qui sont sur le marché de l'emploi sont sur la bonne voie? Oui, bien en fait, quand le projet préparatoire à l'emploi prend fin, soit que la personne s'est trouvé un emploi ou bien que ses 20 semaines sont passées, la personne peut vraiment, si elle le désire, là, moi, j'offre de lui offrir du soutien pour le maintien en emploi. Donc, d'assurer que ça se passe bien, de voir s'il y a des outils qu'on peut mettre en place, communiquer avec l'employeur au besoin. Fait que vraiment, là, que la personne soit soutenue, soit pas toute seule dans cette démarche-là qui peut être stressante. Mais c'est pas obligatoire. C'est vraiment là si la personne le désire, mais moi, ça me fait plaisir de le faire. À Drummondville, cette fois, un organisme Partance offre des services d'aide à l'emploi pour les femmes depuis 40 ans. Afin de diversifier ses sources de subventions, il vient de lancer une première campagne de financement en partenariat avec l'entreprise Souci. Cela aidera Partance à favoriser l'intégration des femmes dans toutes les sphères de la société, y compris dans les professions dites non traditionnelles. Le reportage de Claudie Théberge. C'est donc avec un immense plaisir qu'au nom de la grande équipe de Partance, je la remercie d'avoir accepté avec enthousiasme et générosité ce rôle de présidente d'honneur de notre campagne de financement. Quand l'équipe de Partance m'a sollicité, tout de suite, j'ai pensé à ma fille. J'ai pensé aux jeunes filles qui, présentement, terminent leur secondaire, qui vont faire des choix au niveau de leur carrière, mais aux jeunes femmes aussi, dans la mi-vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine, qui ont des décisions à prendre par rapport à leur métier, par rapport à leur implication dans le milieu du travail, dans Drummondville. Et mon arrivée dans les entreprises Souci à titre de présidente, bien, je voulais ouvrir les portes aux femmes dans nos entreprises, dans nos usines, dans les rôles de décision, dans des rôles, dans des équipes de gestion aussi, parce que l'intégration des femmes amène une bonification au niveau de la prise de décision. Quand il y a des équipes paritaires, on le voit, on a besoin aussi de femmes dans des métiers non traditionnels aussi. Comme j'expliquais tout à l'heure aux journalistes, les écoles de médecine se sont remplies de femmes. Par contre, les écoles d'ingénierie sont encore en pénurie de femmes. Dans nos usines aussi, on a besoin de femmes. Et c'est ce qui m'a touchée le plus dans ça. Je me disais, il faut faire quelque chose absolument dans notre communauté pour les femmes, pour les intégrer un peu plus dans nos entreprises. Et je voulais aussi que ma fille m'accompagne un peu dans ça. Donc, c'est un peu mon leg que je voulais faire dans ce geste-là. Même si aujourd'hui, de plus en plus de femmes occupent des fonctions décisionnelles, il n'en reste pas moins qu'au Québec, elles ne sont encore que 19,8% à siéger sur des conseils d'administration, 19,8%. Dans nos usines, c'était la même situation. Nous travaillons ardemment, d'ailleurs, pour rendre accessibles aux femmes des postes qui étaient autrefois à prédominance masculine. Pour moi, il est primordial de développer l'employabilité des femmes de la région de manière à leur permettre d'être financièrement autonomes et d'intégrer des secteurs d'emploi valorisants et prometteurs. Aider Partance à réaliser sa mission, c'est aussi permettre à des femmes, mais aussi à des enfants, de se sortir de la pauvreté. Toute notre société est alors gagnante. Actuellement, au Québec, une famille sur quatre est monoparentale. Et de ce chiffre, 75% est dirigé par une femme. Alors, lorsqu'on aide une femme à améliorer sa situation professionnelle ou à réintégrer le milieu du travail, on aide par la même occasion sa famille, mais la communauté aussi dans laquelle elle évolue. En tant que mère, en tant que femme d'affaires et citoyenne de Drummondville, j'invite toutes les entreprises à souscrire généreusement à la campagne de financement de Partance afin d'aider les femmes à réintégrer le marché du travail ou à enrichir leur carrière, puisque ce faisant, ce sont aussi leurs familles et toute la communauté qui en bénéficieront. Je profite d'ailleurs de l'occasion
pour vous annoncer que les entreprises Souci se sont engagées à soutenir les femmes de la région de Drummondville en versant à partance, au cours des 5 prochaines années, un montant de 15 000 $ par année, ce qui portera notre contribution financière totale à 75 000 $. En fait, je tiens à le dire, là, on n'est pas en difficulté financière, mais si on veut s'assurer d'une meilleure résilience à travers le temps, s'assurer que nos projets se réalisent à la hauteur de ce qu'on souhaite puis des besoins dans le milieu, ben, il faut diversifier nos sources de financement. Puis, la campagne de financement fait partie de ça. Il y a quelques années, le conseil d'administration a fait une démarche pour obtenir un numéro d'organisme de bienfaisance. Ça s'est concrétisé en 2021. Et ça, ça nous permet finalement de pouvoir faire une campagne structurée, ce qu'on ne pouvait pas avant. On avait quand même des donateurs, mais c'était comme plus discret la façon dont on nous donnait. On ne pouvait pas non plus remettre de reçus pour de charité, là, pour dons de charité. Partance, en parallèle de sa mission principale, mène des projets qui ont des caractères plus sociétals et aussi dans des enjeux plus féministes. Là, on est sur un projet depuis l'année passée qui est financé par Femmes et Égalité des Genres Canada. Le but de ce projet, c'est de mener des changements systémiques dans la région et plus particulièrement sur la MRC Drummond. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que nous, on pousse beaucoup les femmes à aller choisir des métiers, non pas en fonction de leur sexe, mais en fonction de leurs envies, de leurs aptitudes. Fait que ces femmes, quand elles découvrent, par exemple, les métiers qui sont occupés majoritairement par des hommes, comme la construction, la métallurgie, l'informatique et plein d'autres domaines, elles peuvent se découvrir une passion pour ça. Une fois qu'elles vont dans ce domaine-là, qu'elles arrivent en entreprise, ben, des fois, les entreprises ne sont pas outillées pour les accueillir et non plus pour les maintenir en emploi. Donc, ce qu'on remarque, c'est que ces femmes-là, elles ne passent pas la barre des 5 ans. Donc là, on s'est dit, il faut qu'on aille agir avec les entreprises pour les aider dans leur politique RH. Le ministère fédéral de la Défense a récemment annoncé que le Canada va acquérir 88 avions de chasse F-35, un achat total estimé à 19 milliards de dollars. Ces avions viendront remplacer petit à petit le modèle CF-18 vieillissant. Nous nous rendons au musée de la Défense aérienne à Bagotville pour en savoir davantage sur l'histoire du CF-18. Le reportage de Jimmy Dallaire. Bien, le CF-18, c'est le meilleur chasseur qui a passé dans l'histoire au Canada. Donc, le Canada l'a acheté en 1982. Et de 1982 à 1988, on a eu 138 CF-18 qui ont été acquis par le Canada et opérationnels ici au pays. À Bagotville, c'est arrivé en 1985, les premiers chasseurs. Et puis, on faisait partie du NORAD, hein, le NORAD qui était une entente entre le Canada et les États-Unis pour la protection du ciel nord-américain. Donc, immédiatement qu'on a eu le CF-18, ça a fait partie de la mission NORAD de Bagotville. Donc, surveillance des frontières, quand il y avait des bombardiers russes qui arrivaient dans le nord, qui passaient dans le nord au Canada, souvent, les CF-18 étaient appelés à intervenir. Encore aujourd'hui, ça arrive à l'occasion. Bien, durée de vie, c'est ça. Les poignées étaient achetées en 82. Évidemment, là, il y en a qui ont été retirés du service, comme on a un dans le parc là, qui a été retiré du service en 2007 parce que le moteur a explosé, puis ils ont décidé, bon, il était assez vieux, puis on l'a retiré du service, puis on a fait un don ici au musée à Bagotville. Mais il y a des mises à jour continuellement sur les CF-18 durant les années, là, sont vieux, là, depuis 82 qu'on a ça. Mais c'est ça, il y a des pièces, achats de pièces, puis les techniciens aéronautiques qui travaillent au Canada sont considérés comme très bons, des meilleurs au monde, parce que réussir à faire voler cet avion-là encore aujourd'hui, les Américains, là, ils capotent, là, ils trouvent vraiment qu'on est fort, là. Fait que c'est un bon travail sur les techniciens ici à Bagotville et à Côte-Lake, entre autres. Là. Ils transportent surtout des réservoirs d'essence, hein, quand ils traversent l'Atlantique ou ils s'en vont en Libye. En 2011, ils sont allés en Libye. Bon, ils font des ravitaillements en vol. Ils ne sont pas capables de traverser au complet. Ou ils font des arrêts sur des bases amies en Europe. Pour un pilote, là, dès qu'un pilote entre dans les forces, s'engage dans les forces, ça peut prendre entre 8 et 10 ans de formation. Donc, c'est assez long.
Au niveau des missions à l'étranger, les CF-18, bien, le premier important, ça a été en 91, durant la guerre du Golfe. Là, il y a eu 24 CF-18 qui sont allés quand Saddam Hussein a envahi le Koweït. Mais là, il y a 24 CF-18 qui sont allés en mission là-bas. Ensuite, il y a eu le Kosovo vers la fin des années 90. 18 CF-18 canadiens là, ont participé au Kosovo, dont le CF-18 qu'on a dans le parc. Lui, il a fait des missions d'attaque à cette époque. Évidemment, il y a le fameux 11 septembre 2001. Là, ce n'était pas des attaques, mais plutôt de la protection. Là. Le ciel, qui a eu l'attentat autour sur World Trade Center, bien, le ciel nord-américain a été fermé pendant 3 jours à tout avion. Puis ici, là, à Bagotville, ce qu'on me dit, ça partait continuellement. Là. Les hangars d'alerte, d'ailleurs, ils ont été réactivés pour cette occasion-là. Et puis, il y a eu la Libye en 2011, d'autres missions qui sont venues, opération Réassurance, qui est là, toujours en vigueur, justement, pour prévenir l'expansion russe. Et là, on est dans le contexte Ukraine, donc on est sur... les CF-18 sont toujours en état d'alerte. Là, nous, le musée, on ouvre au mois de juin, c'est pour la haute saison touristique, hein, qu'on appelle, de juin jusqu'à la fête du travail. Sinon, on est ouvert pour les groupes scolaires, groupes de personnes âgées, peu importe. Il y a des maisons de jeunes un peu partout au Québec, véritable milieu de vie pour les 12 à 17 ans. Ces organismes permettent d'accompagner des jeunes afin qu'ils deviennent des adultes accomplis, actifs et responsables dans leur communauté. Visite de la maison de jeunes de Shawinigan-Sud. Mathieu Lafontaine, je suis coordonnateur de la Maison des jeunes de Shawinigan-Sud. Bien, la Maison des jeunes de Shawinigan-Sud, c'est un milieu de vie pour les jeunes de 12 à 17 ans, qui va avoir des adultes significatifs qui vont être là pour eux. Une maison de jeunes, c'est pas juste un endroit pour aller jouer au ping-pong, c'est pas une place que les gens vont juste faire de la surveillance. On va vraiment accompagner les jeunes à devenir des jeunes qui vont devenir actifs, critiques, responsables. Dans le fond, on va les amener à devenir des adultes accomplis dans la communauté. Les personnes qui fréquentent les maisons des jeunes, une maison de jeunes, c'est comme une micro-société. Fait qu'on a vraiment de tout. On a les jeunes fusées que j'appelle, c'est des jeunes qui ont plein d'idées, qui ont plein d'énergie, sont dynamiques. Puis ces jeunes fusées-là, on va souvent leur accrocher d'autres jeunes qui ont peut-être moins confiance en eux, puis ils n'osent pas trop au début. Fait que ces jeunes-là vont comme les propulser vers l'avant, fait qu'ils vont embarquer, puis ils vont être de plus en plus impliqués, puis par la suite, ils ont accès à des petits comités pour participer à des activités. On va vraiment les amener à se surpasser. Fait qu'il y a de tout dans une maison de jeunes. Il y a des 12 ans à des 17 ans, fait que c'est vraiment agréable. Bonjour, je m'appelle Malika Laguma. Ça fait 2 ans que je vais à la Maison des jeunes. Cette année, j'ai voulu un peu plus m'impliquer. Alors maintenant, je suis dans le conseil des jeunes comme animateur. C'est sûr que quand tu vas à la Maison des jeunes, tu as des chances de rencontrer du monde nouveau et bien sûr de te faire des amis. J'aime bien aussi participer à l'aide aux devoirs parce qu'on a une chance de gagner une carte cadeau. Et en même temps, ça m'améliore dans mes notes scolaires. J'aime bien aider les autres personnes, surtout quand ils ont besoin d'aide, exemple, pour faire leurs devoirs. Mais je ne vais pas aller me gêner pour aller les aider. Moi, ça fait longtemps que je suis en maison des jeunes, ça fait depuis 2010. Et les problématiques, je pense, qui sont plus importantes, donc c'est plus lourd. Fait que c'est pour ça qu'ici, c'est vraiment des intervenants, des personnes qui sont certifiées en relation d'aide, qui peuvent apporter de l'aide puis du soutien. Il y a beaucoup plus de détresse au niveau psychologique que quand j'ai commencé. Fait que c'est plus difficile. T'sais, ici, on a des jeunes qui ont des problèmes, qui peuvent avoir de l'anxiété, qui peuvent avoir des manques de motivation. Il y en a qui peuvent vivre des situations dans leur milieu familial, où ils peuvent avoir de la violence verbale, même
même au niveau physique. Il y a les problèmes de consommation aussi qui peuvent embarquer. J'en ai qui au niveau de l'alcool, au niveau des réseaux sociaux, des drogues ou du jeu. Donc, avec les réseaux sociaux, les problèmes, on dirait que c'est plus facile aussi, l'intimidation. Fait que tout ça, c'est plus complexe que quand j'ai commencé. Bien, moi, c'est Chani, puis je suis une ancienne jeune là, qui fréquentait la maison des jeunes là, dans mes années d'adolescence. Comment j'ai appris à propos de la maison des jeunes, c'est que j'avais des amis qui fréquentaient ici, puis j'allais pas super bien dans ce temps-là. Là, j'avais des problèmes dépressifs puis de l'anxiété là, quand même assez sévère. Donc, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne solution d'essayer de sociabiliser un peu plus. Puis je suis venue pour la première fois, puis c'est comme ça là, que j'ai connu la maison des jeunes. Ce que la maison des jeunes m'a apporté, c'est une grande confiance en moi, puis surtout le vouloir de foncer, en fait, parce que j'avais pas confiance en moi avant, puis ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont donné des trucs, ils ont eu des formations aussi là-dessus pour pouvoir là, nous aider mieux, là, puis moi, ça m'a vraiment aidé à ma confiance en moi puis à mon développement personnel. Dans une maison de jeunes, l'approche qu'on va avoir, c'est vraiment c'est mettre les jeunes à l'avant. Fait que c'est pour et par les jeunes, beaucoup, la maison des jeunes. C'est pour ça que, comme ici, il y a vraiment une bonne fréquentation parce qu'ils se sentent chez eux. Fait que c'est ça notre approche, dans le fond. C'est des responsabilisés qui s'impliquent dans leur maison de jeunes. Après ça, en faisant des activités, on va créer beaucoup de liens. Fait que ça va permettre une ouverture. Les jeunes vont avoir confiance avec les intervenants qui sont là. Ils vont pouvoir se confier. S'ils ont des problématiques, ils ont des questionnements, bien nous, on va être là pour les guider, pour les rassurer, pour les aider à justement aller de l'avant puis de régler leurs problématiques par eux-mêmes. Fait que c'est vraiment une approche d'impliquer les jeunes le maximum qu'on fait. Voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. Merci à toutes nos équipes d'un peu partout en province et merci à vous d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Québec connecté. D'ici là, portez-vous bien.